Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on réalise ensemble des truffes au chocolat faciles à faire. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors, on a ici de la crème et des œufs de chez nous. On a du beurre, du sucre glace, du cacao et des noisettes. Alors, la recette est vraiment assez simple à réaliser. Dans un premier temps, on va mettre le beurre, qui est quand même bien tempéré, dans notre batteur. Voilà, et regardez, on en fait une sorte de pommade. Ensuite, on va y ajouter nos deux jaunes d'œufs. Hop, et puis on va y ajouter le sucre glace, le cacao, et puis la crème. Donc l'avantage de ces truffes-là, c'est qu'elles n'ont pas en fait de cuisson, ça veut dire qu'on ne doit pas faire fondre du chocolat. Voilà, et on laisse bien tourner. Voilà, on peut enlever, et à l'aide d'un lèche-plat, on va bien mettre toute notre masse dans le fond. On a bien mélangé, on récupère tout notre mélange, et on va le mettre sur une assiette. Donc je mets les noisettes dans mon petit mixeur, je ferme. Donc les noisettes mixées, une cuillère à soupe de cacao, je mélange, pas trop, hein, voilà. Et maintenant je prends deux petites cuillères à café. Alors je pourrais prendre des gants et former les petites truffes, mais je les aime bien un petit peu naturelles quand même. Regardez, faites une truffe, vous laissez tomber dedans. Voilà, donc à la cuillère, je viens chercher une masse et hop. Et puis une fois qu'on a mis ça là-dedans, regardez, il vous reste plus qu'à hop. Mélanger et à l'aide d'une fourchette, on vient sortir tout simplement, regardez, de très belles truffes, maison, facile à faire, sans cuisson. Et alors c'est pratique parce qu'en plus, étant donné qu'elles ne doivent pas refroidir, on peut vraiment les manger tout de suite, ça veut dire dès qu'elles sont faites, vous ne devez même pas les passer au frigo, vous pouvez déjà les servir. Donc c'est quand même un gros avantage pour une recette de truffes au chocolat. Et puis, vous faites ça vraiment, vous avez vu, il nous faut à peine 5 minutes pour faire des truffes au chocolat. Donc, moi j'attends votre variante de truffes avec une surprise à l'intérieur, avec une panure différente, avec de la pistache. On pourrait les paner à la pistache, à la noisette, aux amandes pour avoir des couleurs de panure différentes. Enfin, vous le savez, nous sommes là pour vous conseiller, vous êtes là pour créer. Et on attend vos recettes sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit.